Hey yo tout le monde, c'est MTX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de rappel. Donc c'est vrai, une toute petite vidéo pour vous dire ce qu'on va avoir pendant le live. Et donc pour vous rappeler justement, ne pas oublier de venir demain faire 19h30, voire 20h, entre 19h30 et 20h. Regardez ces heures-là sur ma chaîne, il y aura un live vers ces heures-là jusqu'à 22h, 22h30 et peut-être 23h, ça c'est pas sûr. Puis ensuite il y aura la deuxième partie de 9h30 à peut-être 10h. Entre 9h30 et 10h, il y a la deuxième partie du live, donc c'est-à-dire samedi, jusque 20h à 22h. Il y aura peut-être plusieurs parties de la partie 2, hein, parce que si ça dure trop de temps, après il ne sera pas retransmis sur YouTube. Ensuite, ne pas oublier non plus dimanche, il y en aura un petit, et lundi, il y en aura peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Voilà, donc c'est juste un petit rappel. Donc ce qu'on va vous dire, c'est que ça sera un match de découverte. Donc je sais déjà que je sais déjà comment faire à peu près toutes les quêtes exotiques. Le genre, on ne sait pas où finir. Toutes les nouvelles missions principales du nouveau DLC. Et par exemple pour le chardon, et en fait c'est comme l'année 1, il faut faire des farmer les contrats, et à un moment donné, quand on rentre un contrat, ça va tomber. Je connais déjà quelques petites étapes. Le Glarand, donc comme je vous l'ai dit, il faut faire toute la mission, on va prêter la quête. L'épée exotique, c'est en faisant la mission principale, à un moment donné, il te la donne. Et après, la Kotchokov, excusez-moi de ma prononciation, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Ben ça, il faut simplement la démanteler si jamais vous l'avez toujours en année 1. Vous voyez, la scène d'attaque, là, si vous l'avez gardée, vous la démantelez, ça vous donne le schéma. Ou sinon, il faudra retrouver au tout début du jeu et réouvrir le coffre et ça vous donnera le schéma. Donc, quand j'ai au tout début du jeu, toute première zone du jeu où vous apparaissez. Quoi d'autre que je devrais dire, enfin voilà, donc on va essayer vraiment de faire un maximum ce week-end parce qu'après j'aurai de nouveau attendre une semaine, mais voilà, donc logiquement si tout se passe bien j'aurai le Gérald ce week-end, la Kostokov peut-être ce week-end, et à part ça ben et l'épée exotique bien entendu, et à part ça le chardon, ça je ne sais pas, ça dépend de ma chance. Enfin, voilà, de toute façon j'essaye déjà d'avoir de l'épée exotique, je l'aurai d'office. Le Gjallarhorn, je l'aurai peut-être pas d'office, enfin je crois bien que si, parce que mes potes l'ont fini assez vite. Enfin bon, voilà, donc c'est simplement vous dire qu'on découvrira, on ne passera aucune cinématique, on rushera juste un petit peu l'émission pour se dépêcher, pour jouer au même niveau que, comme ça ils sont pas obligés de prendre du temps pour faire toute l'émission et eux de les ralentir. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, je sais pas que ça a été un peu plus long que prévu. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Excusez-moi, je vous dis ça pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis tchuss.